Salut YouTube, Eric Le Gaug et la Go Musique pour aujourd'hui un morceau de Cabrel, Je l'aime à mourir. Voilà, on a 7 accords à la main gauche, un accompagnement en finger picking à la main droite, c'est-à-dire que on le fait pas au médiator mais au doigt, et c'est quand même vachement joli, hein, faut bien le dire. Donc tout de suite, d'abord les accords et puis ensuite toute la structure et comment ça se passe à la main droite. Voilà! Alors, pour démarrer, vous, si vous voulez sonner comme le morceau, vous placez un capodastre à la cinquième case. Alors, mon capodastre là est un petit peu naze, hein. Peut-être que vous en avez un comme ça, ça peut faire l'affaire, mais disons que celui que j'ai d'habitude avec la grosse pince a disparu. Donc je me retrouve avec une guitare qui frisouille un petit peu, donc ça peut arriver, excusez-moi d'avance. Le premier accord, Do majeur. Troisième case du La, deuxième case du Ré, première case du Si. Ensuite, Do basse Si. Ce doigt-là s'en va, l'index reste en place, et le majeur vient à la deuxième case du La. Cool. Ensuite, La mineur, pareil, l'index reste en place. Et deuxième case et deuxième case avec ces deux doigts-là, des cordes de Ré et Sol. Ensuite, un accord de Ré mineur. Première case de Mi, troisième case de Si, deuxième case du Sol. Ensuite, un accord de Fa, qui est un petit peu emmerdant, celui-là. Si vous l'avez jamais rencontré, vous risquez d'en baver un petit peu. Je fais un petit barré avec l'index à la première case et première case des deux dernières cordes. Je vais essayer de me faire un petit pont avec le majeur pour pas bloquer la corde de Si. Et ce majeur appuie sur la deuxième case de la corde de Sol et l'annulaire sur la deuxième case, hein, j'ai dit, la corde de Sol et la troisième case de la corde de Ré. Avec ce doigt-là. Et comme sur le Ré mineur, on ne gratte que les quatre dernières cordes. Ensuite, on trouve l'accord de Sol majeur, qui est juste un déplaçage, en fait, de l'accord de Fa, hop, deux cases au-dessus. Et on a fait le tour, le dernier accord, c'est un Fa suspendu. Donc, on a un barré. On pourra se débrouiller. Pour ne pas le faire si jamais c'est trop compliqué, on peut le remplacer par un Fa tout court. Mais disons que le Fa suspendu est quand même un peu plus joli, quoi. Pour le faire, je fais un barré à la première case. Tac. Je double le barré pour bien avoir un appui costaud avec le majeur. Ra. Et avec les deux doigts qui restent, j'appuie sur la troisième et troisième case des cordes de Ré et Sol. Et là, je gratte tout. Voilà, donc d'affilée Do. Do basse Si. La mineur. Fa, Sol, Fa suspendu. Cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir le schéma de main droite et l'ordre dans lequel on joue les accords. Alors, pour le schéma de main droite, j'utilise ces trois doigts-là sur les trois dernières cordes. D'accord ? Donc, quand vous grattez, au départ, si vous n'êtes pas habitué au finger picking, ça va faire un petit peu des grands mouvements comme ça. Il faut essayer de limiter minimum pour ne pas perdre sa position. D'accord ? Le pouce, quant à lui, il va jouer un petit peu un rôle de libéro, hein, j'ai envie de dire, bien que je ne sois pas trop fan de foot. Bref, il va jouer soit là, soit là, soit là. Donc, ce que vous pouvez essayer déjà à vide, donc sans main gauche, vous appuyez sur la corde de La au pouce et vous essayez de faire 1, 2, 3, 4 et après la quatrième note, j'alterne avec la corde d'après, ce qui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et c'est donc ces 8 croches qui font une mesure. Donc si je place un accord de Do, et c'est là que c'est génial comme morceau, ça marche tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc pour l'intro, on aura une mesure comme ça, de Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do basse Si, le deuxième accord. À la main droite, ça bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je recommence. Intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait ça deux fois de suite. Je repars sur le Do. 3, 4, 5, 6. Pas bouger du tout cette main droite. Enfin, le moins possible. Hein. Voilà, donc ensuite, on tape dans le couplet. Alors, le couplet, on a deux mesures de Do. Donc, pendant deux mesures, on reste comme ça. Donc, deux fois huit croches.
qui alterne. 1. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui. Ensuite, on attaque deux mesures de Do basse Si. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime. À... Et la même mourir en La mineur. Pareil, deux mesures, avec toujours une alternance du pouce. Ensuite, l'arrivée du Ré mineur. Et là, le pouce, il se place ici, sur la corde de Ré. Ra. Pareil, deux mesures de Ré, sauf qu'on ne peut pas alterner, parce que les doigts sont... Enfin, la corde d'après est déjà prise par l'index. Donc du coup, on reste deux fois sur la même basse. Donc, vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. D'accord. Donc je refais le Ré mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une mesure de Fa, pareil, mon pouce reste en place. Donc que 8 croches sur le Fa et ensuite 8 croches sur le Sol. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite une mesure de Do, une mesure de Do basse Si et deux mesures de La mineur pour terminer le couplet. Une mesure de Do. Comme je reprends cette corde-là, je reprends l'alternance des basses. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, La mineur, deux mesures. J'alterne toujours mes basses. Voilà, fin du couplet. Le premier couplet. Je vous le fais depuis le début. Je vous dis le nom des accords en même temps. Do, 3, 4, 5, 6, 7, Re, Do. Do, basse, Si. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Re, Do, basse, Si. La mineur. Une seule mesure, une mesure de Sol, une mesure de Do, une mesure de Do basse Si, et deux mesures de La. Et je retrouve l'alternance. Ok, trop cool. Maintenant, l'arrivée du refrain qu'on adore tous. La guitare est un peu fausse, je suis navré, hein, c'est le... capot, j'ai essayé de m'accorder juste, mais à chaque fois ça merde. C'est très très faux. Navré. Alors, l'accord de mi majeur. Les trois doigts restent en place, le pouce se place ce coup-ci. Oh là 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 là. Le pouce se place sur le gros mi, et je vais alterner avec l'accord d'après. Toujours cette histoire. Donc, alors, non, en fait, on va pas alterner parce qu'on a qu'une seule mesure de mi. Donc, une mesure de mi. Là, si on alterne, autant pour moi. Mi. Corde après. La mineur. Une seule mesure. Une mesure de gros sol. Mince. Je vous l'avais pas montré ça dans les accords. Ah, autant pour moi. Bah, le gros sol, c'est troisième case de mi, deuxième case de la, troisième et troisième case des deux dernières cordes. Hop. Je vous rajoute en bonus un petit schéma. Par là. Donc, je vous refais le refrain. Une mesure de gros de mi. Avec l'alternance de basse, la mineur, le gros sol, j'alterne, pareil, une mesure de Do, alternance. Ok, première ligne du refrain, la deuxième ligne du refrain, je reprends le mi, la mineur, et après ça, on a le fa suspendu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est reparti, là, sur l'intro, une fois, qui nous servira de transition pour revenir au couplet. Je vous enchaîne tout depuis le début, une fois. Non, faut pas que je m'asseye. Alors, on refait et on termine avec ça. Tout depuis le début. L'intro. Ouah, j'essaye de me placer correctement. Intro en Do. Do basse Si. Redo, deuxième fois de l'intro. Do basse Si. J'attaque le couplet. Oh,
J'arrive plus à me placer, je suis désolé, le Do. Couplet. Deuxième mesure de Do. Do bas si. Deuxième mesure, La mineur. Deuxième mesure de La mineur. Ré mineur. Je n'alterne pas. Deuxième mesure de Ré mineur. Fa. Je n'alterne pas. Sol. Je n'alterne toujours pas. Le Do. Alternance. Do bas si. Et La mineur. Et deuxième mesure de La mineur. Ensuite le refrain Mi majeur. La mineur. Le gros sol. Suspendu. Et là. Oh, raté sur la fin. Voilà. Bon, j'espère que ça vous va. Je suis absolument désolé pour cet accordage un peu foireux. Voilà, pour les détails de travail, vous chopez un accord, que ce soit le Do ou même aucun, et vous travaillez que le... ça en boucle. Pour donner un accord, c'est quand même joli. Vous faites ça 36 fois. Si vous avez ça, vous avez tout compris. Donc en gros, le seul endroit, les deux seuls endroits où le pouce n'alterne pas, c'est sur le Fa, sur le Sol et sur le Ré mineur. Autrement, à chaque fois, le pouce passe sur la corde d'à côté. Voilà, bon, super. Bah, un tuto en plus. Envoyez-moi des commentaires vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir. Je les mets sur mon Facebook et tout, je suis trop content. Voilà, bon, merci, à bientôt, ciao.